نكينا دون دفتا يون نغاي أدختما سلاكي نكيني جلانس أن أبال aux autorités compétentes de Moussa. Le problème de l'OJSK, c'est un problème du CSA. Réorganiser le CSA. Réorganiser le CSA. Mettre des gens dans l'Assemblée générale, à commencer par les anciens dirigeants, les anciens joueurs. Ou Gadibrana, c'est pas une obligation. Réorganiser le CSA, parce que le CSA Wahdis. Le CSA, il est censé gérer toutes les activités autres que le football. La SSPA, donner la chance à tout le monde. Moi, je ne suis pas contre le mobilisme. Au contraire, Maître Schmidt Mobilis, elle va acheter toutes les actions des actionnaires, sauf celui qui pourra résister avec. De la matière au 80, 20% n'est pas les autres actionnaires. Mais au moins se débarrasser des gens à l'Europe et qui empoisonnent la vie du club et qui empoisonnent la vie de tous les citoyens, de tous les supporters de la JS. Le ministre de la Jeunesse et d'Espoir, le DGS de Tizi Ouzou, sont censés s'occuper imminemment, dans l'immédiat, de la réorganisation du CSA, convoquer des gens, faire une autre assemblée générale, la composante de l'assemblée générale, d'après ils vont désigner les membres vont désigner un président du CSA, quel que soit son nom. Je n'ai aucune préférence, quel que soit le nom. L'essentiel, c'est qu'il soit compétent et qu'il soit élu. La SSPA, si c'est mobiliste, elle va gérer la SSPA, elle sera majoritaire. Elle va gérer la SSPA, c'est l'équipe de football, elle ramène qui elle veut, elle donne les salaires qui elle veut, comme c'est fait un peu partout. Ce n'est que cette solution qui pourra régler le problème de la JS. Quand je dis mobiliste, je ne dis pas qu'il est mobiliste. S'il y a d'autres candidats pour investir, pour injecter de l'argent, mais l'essentiel, le plus important, c'est que ça se fasse dans la transparence. La transparence. Et elle atteint le montant de la JSK, atteint le capital de la JSK, si c'est mobilisme, broque, si c'est médium, broque. L'essentiel, c'est que la JSK aille bien, qu'elle retrouve son lustre dans le temps, parce que donc, voilà.